on pourvoit de, un gouvernement de salut. Maintenant, et comme il y a des efforts qui font pour qu'effectivement, il y ait des secteurs, différents secteurs qui mettent ensemble, maintenant, la famille Lavalas lui-même tout, et de recevoir invitation de la part du conseil présidentiel pour qu'effectivement, il est occupé et ministère de la République, dans le sens que, et pour te partager les responsabilités. Jodia, nous ne pas demander pour Jodia Chavire. Et écoutez bien, Chavire Chaudière, c'est l'ordre de Chavire Chaudière, c'est mon processus. Ça veut dire que nous-mêmes, dans l'organisation de la famille Lavalas, nous croyons que l'axe qui a posé là, t'as dû mener directement dans Chavire Chaudière. Nous sommes d'accord. Et toute fonction, ce n'est pas la famille Lavalas qui occupe tout. Ça veut dire qu'il y a divers secteurs qui ont même et organisations, partis qui ont même tout, il y a des responsabilités. Maintenant, ce qui est important, c'est que nous croyons que le chef du gouvernement, il a dû lui-même permettre à ce que tout ministère joue le rôle. Et si toutefois, il y en a ou bien deux qui partent le rôle, maintenant, il est capable de changer. Mais ce qui est important pour nous-mêmes de l'organisation de la famille Lavalas, c'est que et le nom dit Chavire Chaudière, son processus qui mène nous vers un nouveau système. Là. Et nous souhaitons cette transition li capable un bon début pour mener nous dans un nouveau système. Là, pour mener nous dans notre pays. Nous connaissons la valeur, c'est pas blanc, c'est blanc qui baille CPA qui a 9 présidents là-dedans. Je dis à nous retrouver nous dans le groupe blanc. Ça yo? Écoutez bien, bon, je ne sais pas qu'on est, et l'autre dit c'est blanc baille. L'initiative était d'abord une initiative haïtienne parce que faut me rappeler pour que la famille Lavalas était déjà initiée et Chita Palé à Villa Thérèse, là ça va être blanc. Et la famille Lavalas était participé dans Chita Palé dans Mariotte, la famille Lavalas était Chita Palé dans Montana, ça veut dire que ce n'est pas de blanc. Maintenant, arrivé à un moment, la CARICOM, Haïti étant membre de la CARICOM, nous croyons que les acteurs politiques ont le droit pour que c'est lui-même qui est capable d'assurer la médiation. Merci, merci. Nous allons servir les choses. Merci. Merci. C'est un bon pas. On nous suit le processus, on nous donne le résultat. Monsieur le conseil spécial du Premier ministre, Dr. Agabus, que vous connaissez certainement. Au Fatma. Monsieur le directeur général du ministère, mesdames, messieurs les cadres du ministère, directeur technique, mesdames, messieurs les directeurs départementaux, si nous suivons en ligne, je ne sais pas s'il y a une plateforme de permettant de suivre l'événement. Et mesdames, messieurs les membres partenaires internationaux du ministère, les représentants de l'USAID, et mesdames, messieurs les membres du personnel d'appui et de soutien, distingués invités, il m'est cher l'honneur de prendre la parole ce matin au nom du chef du gouvernement de la République, le docteur Gary Conille, en vue de procéder à l'installation du docteur Georges Fils Brignol comme nouveau ministre de la Santé publique et de la Population. Un jeune ministre de 28 ans. Je dois vous dire, chers amis, monsieur le ministre, que cette installation se fait dans un contexte particulièrement critique pour le pays, notamment pour la population de la zone métropolitaine. Les intervenants avant moi ont mis l'accent quand même, mais brièvement, sur les grands problèmes. Mais le contexte national, tout le monde le connaît. Haïti n'a un carrefour extrêmement difficile. Il y a notre trouelle, pays à la grabe, la genou. La genou. Tout est facile, écrasé. Violetta, la grabe, employé va dans le travail. Genève obligé de courir, tirer sur le caillou. Tout le côté, c'est fatra. L'hôpital Gazé, l'hôpital général Gazé. Moi-même, je suis professeur à la faculté de médecine et de pharmacie. Derrière moi, le cambriolet. L'université a boulé. Bibliothèque a boulé. Mémoire nationale a parti. Et peuple a cherché santé. Il va joindre.
Or, principal centre hospitalier du service public à l'hôpital général, donc on a passé. Donc, ça passe à lié à climat et sécurité. Parce que la sécurité en Haïti a des impacts négatifs sur la santé physique et mentale de la population. Les actes criminels, les violences, les enlèvements ont des conséquences diverses sur notre système de santé. Et certaines des conséquences sont désormais documentées. Il y a plusieurs études qui ont été réalisées pour mettre en relief les impacts de violences dans le champ de la santé. Les infrastructures de base sont sapées, les routes conduisant au centre hospitalier sont impraticables. L'événement de ce matin revêt un caractère historique. Le ministre de la Santé, le plus âgé à cette date, cède le fauteuil au ministre de la Santé, le plus jeune de l'histoire de ce pays. Je me garde d'interpréter ce signe à temps. Sachez, monsieur le ministre, que c'est pour moi un vrai plaisir de vous accueillir dans la salle du ministère de la Santé publique et de la population, désormais votre maison, comme on le dit souvent. J'aurais été ministre en deux occasions. D'abord de 2008 à 2011, période au cours de laquelle j'ai dû faire face aux conséquences sanitaires du tremblement de terre du 12 janvier 2010 et à la première épidémie de choléra en Haïti. Je suis revenu en novembre 2021 à un moment difficile de notre histoire récente pour contribuer à gérer, à partir du 5 septembre 2022, la résurgence du choléra dans le pays après plus de 3 ans d'absence de cas. En me citant de ces faits, vous comprendrez tout de suite que mes passages au ministère n'ont rien eu d'un fleuve, long fleuve tranquille. Mais j'avoue partir aujourd'hui avec le sentiment d'avoir fait de mon mieux pour apporter les meilleures solutions possibles avec les moyens disponibles à de nombreux problèmes du système de santé haïtien. En dépit de toutes les difficultés rencontrées, nous avons pu faire bouger certaines lignes dans la bonne direction. Bien évidemment, de nombreuses contraintes, tant internes qu'externes, nous ont empêchés d'atteindre de nombreux objectifs que nous nous étions fixés. L'histoire jugera. Je veux ce matin remercier chaleureusement le directeur général, mon jeune confrère, le docteur Loréal Rien, de la collaboration pendant ces mois à la tête de l'autorité sanitaire nationale. Ces remerciements s'étendent aux directeurs centraux du ministère, aux membres de mon cabinet. Pour être Premier ministre, il a fallu que je sois avant tout un citoyen haïtien. Pour être né en Haïti et pour y avoir grandi pendant plus de 3 décennies, je suis familier aux problèmes auxquels chaque Haïtien ou chaque Haïtienne est confronté dans tous les secteurs en général et dans celui de la santé en particulier. En ce sens, je suis bien placé pour savoir que la population haïtienne attend de grandes interventions capables de lui donner une meilleure garantie de la justice réelle de son droit imprescriptible aux soins de santé de qualité. Et c'est au nom de ces grandes interventions que j'ai accepté le choix qui a été fait de mon humble personne au poste de ministre de la Santé et de la Population. Permettez-moi de souligner le courage de mon prédécesseur qui, quoi qu'avec les moyens assez limités, n'a fait économie d'aucun effort pour s'élever à la hauteur de ses responsabilités. Certes, le diagnostic le plus sommaire du système sanitaire ne manquera pas de mettre en relief quelques carences préjudiciables à la vie et au bien-être de nos compatriotes. Néanmoins, monsieur le ministre sortant, vous vous êtes tenu à la brèche pour éviter
l'implosion du système. Vos efforts méritent d'être mentionnés, Monsieur le ministre sortant, Alex Lassen. Au nom de la population haïtienne, je vous remercie d'avoir mis votre expertise à contribution dans une perspective d'amélioration de l'accès de la population aux services de santé. Monsieur le ministre sortant, mon aîné, au nom de la continuité consacrée à la pérennité de l'État, exigence est faite à la nouvelle administration, dont j'ai le leadership, de se mettre à votre école